Vous convenez certainement avec moi qu'il s'agit là bel et bien d'une fleur. Une fleur qui deviendra plus tard une grenade. Alors la grenade, c'est ce fruit-ci, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, qui n'ont jamais vu. Voilà ce qu'on appelle une grenade. C'est rouge à l'intérieur, très sucré. Donc, voilà, ça c'est un pied de grenade, ou alors un grenadier, qui a à peine 1 an et 3 mois. Donc là, c'est la première vague du grenadier que j'avais mis en terre dans les sachets. Bon, comme les gens n'ont pas voulu acheter, c'est resté là. Parce que vous faites des choses, ça vous demande aux gens d'acheter. Ils disent que vous, ils veulent continuer à faire le cacao, ils veulent continuer à faire le café. Tout le monde veut cultiver les avocats, tout le monde veut cultiver les oranges. Pourtant, voilà un truc. Je ne pense pas qu'au Cameroun, on puisse trouver 1 hectare, quelqu'un qui a 1 hectare de grenadier. Je ne pense pas, ça n'existe pas. Tout le monde court là où il y a tout le monde. Au lieu d'aller vers les secteurs qui sont encore vierges. Parce que ça, c'est un fruit que si vous cultivez, vous ne pouvez pas manquer le marché. Vous ne pouvez pas manquer le marché dans la mesure où ce fruit-ci est vendu à 7000 francs le kilo. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une extrapolation. Les plus sceptiques peuvent, n'est-ce pas, faire des tours dans les marchés à fruits et vérifier. Même dans les supermarchés, vous partez dans les rayons à fruits et vous regardez ce fruit, c'est le grenadier, la grenade. 7000 francs le kilo. Mais personne n'a 1 hectare. Personne n'a 2 hectares. Si vous cherchez quelqu'un qui a 30 hectares de cacao, ah, vous ne pouvez pas manquer. Ils sont peut-être même 10. Il y a encore des centaines d'hectares de cacao. Pareil avec le café. Tout le monde veut faire l'avocat. C'est vrai, l'avocat, ça donne l'argent. C'est une bonne culture. Les oranges, les agrumes, tout ça, ça donne l'argent. C'est une bonne culture. Mais voilà des choses que personne ne fait encore jusqu'à présent. Du moins de manière à une échelle assez grande. Personne ne le fait. Donc, moi, je suis tombé ce matin sur ce plant de grenadier qui a commencé à sortir. N'est-ce pas cette fleur-ci? Ça m'a beaucoup intrigué. Parce que moi, je sais que initialement, les grenades issues de graines, n'est-ce pas, font en moyenne 3 ans pour produire les premiers fruits. 3 ans à 5 ans. Mais en général, ça commence à partir de 3 ans. Et la production ne devient effective qu'à partir de 5 ans. OK? Mais là, ce matin, j'étais vraiment très surpris et j'ai décidé de vous faire une vidéo là-dessus. N'est-ce pas, pour vous montrer ce fruit, celle-là, c'est vraiment, je suis dépassé comme on dit soi. c'est magnifique, hein? C'est magnifique. Donc voilà, c'est pour ça que je faisais cette petite vidéo pour vous montrer ceci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a aussi eu à voir un pareil phénomène. Faites-nous savoir cela en commentaire pour que nous puissions nous édifier mutuellement. Parce que moi, je suis vraiment, je vous assure, totalement surpris. Ça, je ne m'attendais pas. Par contre, les autres plants ne fleurissent pas encore. C'est le seul qui a eu à fleurir. Les autres plants n'ont jamais eu à fleurir. Bon, avec le temps, on va voir. Et en attendant, pour ceux qui ont besoin des plants de grenadier pour se lancer, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche juste là. Et on vous livrera des plants matures comme ceci. OK? Prêt à aller en champ. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je ne manquerai pas de vous faire une nouvelle vidéo pour vous montrer, n'est-ce pas, l'évolution de ce fruit-ci. Et entre-temps, je vais encore y ajouter un peu de compost là pour que, dans l'espoir que ce fruit grossisse et nous donne quelque chose, un peu comme ceci. Ciao la famille. J'avais le gobelin alcalin. Quand j'ai commencé à boire de l'eau alcalin, ça fait 3 ans ou 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Déjà, j'ai le mal de foie, j'ai mal au foie, j'ai la tension, j'ai les diabètes. Imaginez avec toutes ces maladies, ça fait 5 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Donc vraiment, merci.